C'est sous cette ambiance électrique que les ressortissants du département des Moïli ont rendu un hommage mérité au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, pour sa politique en faveur du développement, mais aussi pour le choix porté sur Ramatou Mamadou Toine au poste de ministre de l'Énergie. Par cette mobilisation, les jeunes et femmes du département des Moïli et autres communautés réaffirment ainsi leur engagement à soutenir la politique du président de la République pour un Tchad émergent. Nous engageons à soutenir le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, dans sa vision de développement du pays en général et d'autonomisation de la jeunesse et de la femme en particulier. Présent à cette manifestation, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Mamad Zen Bada, salue le dévouement des jeunes et femmes ressortissants du département des Moïli envers le MPS. Elle est ministre du Tchad d'abord, ne l'oublions pas. Elle est ministre du gouvernement du Tchad, elle est chargée de l'énergie. Vous devrez l'aider parce que le rôle premier d'un ministre c'est un rôle politique, vous devrez l'aider dans sa tâche politique. Mais vous ne devrez pas exiger d'elle des choses qui concernent la politique générale du gouvernement. Je retiens l'engouement des jeunes, l'engouement des femmes, parce que ceux qui font l'avenir du pays, c'est les jeunes et les femmes. Et comme les échéances électorales se pointent à l'horizon, la ministre Ramatou Mamadou Toine invite pour sa part les ressortissants de la province du Mayo-Kébi-Est en général et ceux du département de Moïli en particulier à porter haut le flambeau du parti rassembleur qui est le MPS. Nous sommes à une phase charnière des grands enjeux politiques, notamment les élections qui se pointent à l'horizon. Les jeunes et les femmes sont une force essentielle. Et le maréchal du Tchad, conscient de cette force, a mis cette couche de la société tchadienne au cœur de sa politique. Les actions entreprises en faveur des jeunes et des femmes sont nombreuses. Cette motion doit se traduire par votre engagement réel à porter le message dans les villages du Mont Ili afin que la victoire aux prochaines élections soit éclatante. Pour mener à bien sa mission à la tête du département de l'énergie, Dr Ramatou Mamadou Toine a sollicité le soutien de tous, car pour elle, l'union fait la force.